funeste destin que celui de la Dreamcast. Sa fin précipitée, il nous a laissé sur la nôtre de fin. Et on ne compte plus les jeux qui auraient dû sortir sur ce support et qui ont été annulés. Juste histoire de me faire du mal et de partager ma douleur avec vous, j'ai décidé de faire une petite vidéo hommage pour tous ces jeux qui ne sont jamais sortis sur la Dame Blanche de Sega. On se retrouve après la pub pour visionner quelques vidéos de certains de ces titres qui sont passés à la trappe. Castlevania Resurrection était annoncé sur Dreamcast pratiquement comme un jeu de lancement, mais le développement n'avançait pas vraiment, la sortie du jeu était sans cesse repoussée et Konami ne croyait que très peu en la Dreamcast. L'annulation de ce jeu coïncide étrangement avec l'annonce du lancement de la PlayStation 2 par Sony. L'aventure aurait dû permettre d'incarner Sonia et Victor Belmont dans un jeu en 3D. Peut-être que le résultat aurait permis à Konami de se rattraper par rapport aux versions Nintendo 64. On ne verra jamais grand-chose de ce Castlevania Resurrection sur Dreamcast, excepté cette cinématique faisant office de trailer et de très rares extraits in-game qu'il est difficile d'apprécier vu la qualité vidéo. Mais en tout cas, à première vue, l'architecture n'avait pas l'air dégueulasse. D-Jump est un projet abandonné par Ubisoft, un titre très énigmatique qui aurait dû mélanger action et plateforme. Le personnage aurait dû pouvoir se transformer en différentes créatures, mais aussi déplacer des objets avec des pouvoirs télékinésiques. Il était prévu que le héros adopte différentes humeurs, modifiant son gameplay. Et il semble que le jeu aurait dû se passer dans les rêves du protagoniste à tête de bois. Ce trailer laisse à penser que le jeu en était à un stade pas très avancé de son développement. Et les rares images disponibles ne nous apprennent rien de bien concret. D-Jump aurait certainement été un jeu en 3D, avec un design particulier. Il restera un vaporware entouré de mystères. Surgit des ténèbres de la Mega Drive et de la Game Gear, chacun aurait dû faire son retour sur Dreamcast. Le héros est un personnage très dark, condamné à errer dans les limbes pour avoir osé défier la mort elle-même. Il est pas chiard le mec. Pratiquement aucune info n'aura filtré sur cette version Dreamcast. Selon certains dires, le jeu en était à un stade de développement très avancé. Pourtant, tout ce à quoi nous aurons droit est cette petite démo des différentes animations du personnage principal. Ce que l'on peut dire, c'est que Shakan sur Dreamcast aurait été un jeu en 3D, probablement un beat'em all ou un jeu d'action bourrin. En tout cas, Shakan bouge bien et sa modélisation semble de très bonne facture. Dommage que le jeu ait été annulé. Max Payne. Eh oui, Max Payne.
une version Dreamcast était prévue. Il y a eu des bandes annonces au salon de l'E3 de 1998 et à celui de 1999. Encore une fois, je ne peux pas vous proposer des extraits d'une grande qualité vidéo. Ah bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Mais il faut garder à l'esprit que ce sont là des images d'archives qui témoignent d'une époque précieuse pour de nombreux joueurs. Et voilà un jeu qui aurait tout à fait trouvé sa place dans la ludothèque Dreamcast, même si personnellement je ne suis pas un fan de Max Payne. Il n'y a, à ma connaissance, aucun jeu équivalent à celui-ci sur la dernière console de Sega. Et malgré la mauvaise qualité de la vidéo, on se rend compte que cette version Dreamcast ne s'annonçait pas moche. Je vous laisse admirer, en tout cas essayer. Il faut se remettre dans le contexte aussi. Le coup le plus vache qu'on nous ait fait, c'était quand même Half-Life. Annoncé en grande pompe et très attendu par la communauté Dreamcast, le jeu devait à l'origine proposer des parties en réseau. Mais plus le temps passait, plus on apprenait que l'avenir de ce mode de jeu sur Dreamcast était incertain. Finalement, c'est la version Dreamcast tout entière qui a été annulée. On nous avait pourtant mis l'eau à la bouche. Il y avait déjà de la pub partout. Mais la version Dreamcast de Half-Life existe quelque part dans les abysses du net. En effet, il y a eu comme une fuite à l'époque où le jeu a été annulé alors qu'il était pratiquement terminé. Du coup, il est possible de le télécharger, de le graver selon une méthode bien précise et d'y jouer sur sa Dreamcast. Et il en va de même pour ce Propeller Arena, développé par Sega AM2. Ce jeu de deathmatch en avion n'a jamais été commercialisé, sous le prétexte vaseux des attentats du 11 septembre 2001. En effet, l'une des maps du jeu comprenait des gratte-ciels et pouvait rappeler cet acte terroriste, paraît-il. C'est vraiment dommage que le jeu n'ait pas été commercialisé. Il profite de graphismes de haute volée, ce qui est normal pour un jeu d'avion. Le niveau de détail, les effets visuels et le dynamisme du jeu en auraient fait un must-have de la Dreamcast. En l'occurrence, c'est un jeu à posséder, mais pas d'un point de vue officiel, enfin, vous m'avez compris. Thunder Force 6 est issu d'une série de shoot'em up dont la popularité a réellement commencé à partir de la Mega Drive. Ce trailer ne montre pas vraiment le jeu qui sortira en fin de compte sur PlayStation 2. Et quand je dis en fin de compte, ça veut dire en 2008 et au Japon. Test Drive Cycles aurait dû rejoindre la série de jeux de course Test Drive, mais cette fois-ci avec des deux roues. Le jeu était prévu sur Dreamcast, PlayStation 1 et Windows, et il a été annulé sur tous ses supports. Mais le jeu est quand même sorti, sur Game Boy Color. Dark Angel Vampire Apocalypse est un action RPG de chez Metro 3D, Metro 3D.
qui place le joueur dans la peau d'une fille vampire et lui propose d'explorer des donjons générés aléatoirement et de se défaire de ses ennemis avec un gameplay de type hack and slash. Ensuite, il était prévu que le jeu sorte sur la PlayStation 2 et plus tard sur la Dreamcast. Finalement, il n'y a pas eu la version Dreamcast et la version PlayStation 2 n'est sortie qu'aux USA. Il paraît qu'on n'a pas raté grand-chose. に分かれた人間の壮絶な戦いを描いたシミュレーション RPG の登場。崩壊した東京の街を舞台に戦闘をクリアしていくのだ。ステージクリアごとに新たなステージが登場するぞ。味方を増やし戦闘を有利に進めていくのだ。 Innocent Tears est un jeu de chez Global Entertainment du genre RPG bien japonisant. Annulé sur Dreamcast, il a été porté sur Xbox, mais n'est disponible qu'en version import. Scud Race est un jeu d'arcade d'équafond de chez Sega AM2 qui date tout de même de 1996 et qui tournait sur le Sega Model 3. Il était déjà prévu que Sega porte le jeu sur Saturn, et puis il y a eu cette démo sur Dreamcast. Le public n'était pas censé voir cela, mais sitôt que la vidéo a pu s'extraire d'un cercle restreint, de nombreux joueurs ont espéré que cette démo technique, qui est plus un portage fait à la va-vite, aboutisse à un jeu bien concret. Malheureusement, rien de tout cela ne s'est fait. On ne verra jamais d'autres vidéos de Scud Race tournant sur Dreamcast. Geist Force. 圧倒的なビジュアルインパクト。そして緻密に練り込まれた奥深いストーリーと世界観、そのディティールにまでこだわった比類のない完成度は、単なるシューティングの枠を超え次のステージを迎える。銀河系のとある惑星で繰り広げられる人類対エイリアンの戦いを描いた超話題作。街、古代遺跡、溶岩、雪原など、ドリームキャストだから実現できた驚異のグラフィックが君を直撃する。豊富なモード、濃密なマルチエンディングストーリー、そして多彩なカメラワークが生み出すシネマチック SF シューティング、ついにドリームキャストに登場。 Geist Force est un shoot 'em up 3D dont le développement n'a jamais été totalement achevé. Mais une version non finie du jeu est disponible depuis 2012 grâce au modo du forum AssemblerGames.com qui a été jusqu'à créer une version physique du jeu, limitée à 200 exemplaires. Mais vous pouvez trouver le jeu à télécharger comme pour Half-Life et Propeller Arena, sauf que Geist Force n'a pas été suffisamment développé pour proposer une expérience de jeu confortable. Bugs, ralentissements, reboot de la console dans des parties de niveau manquantes, une simple curiosité pour les fans de tout ce qui touche à la Dreamcast. Le jeu dont vous allez voir le trailer maintenant est sorti sur PC, mais le rendu graphique est moins impressionnant que ce qu'on a voulu nous faire croire ici, c'est du précalculé. Il paraît que c'est un bon jeu de rôle en tout cas. Eh bien, tant pis pour la Dreamcast. Arcaterra, a world full of secrets and intriguing puzzles is waiting for you. Slip into the role of one of the characters and explore the mysterious land. Trust in your beliefs, implore the gods, and you'll be given magic powers. Rely on your instincts and your skills, and you'll capture spectacular treasures. Enter the world of Alcaterra for a sensational mix of adventure and role-playing. Explore mysterious dungeons, but beware, dark creatures are waiting for you.
slash your way through dense forests until you reach the hidden stronghold of evil. What could be lurking in this cave? Many have valiantly ventured here and failed. It's you who must succeed and defeat the monster. Encore une bêta disponible sur Dreamcast via le forum assemblergames.com. Two Jam and Earl 3 était bien prévu sur la console de Sega avant de finir sur Xbox. Vous avez la possibilité de tester la version Dreamcast non finie de ce jeu groovy, si le cœur vous en dit. Les 9 premiers niveaux sont jouables, d'après ce qu'on raconte. Vous trouverez facilement des vidéos de gameplay de cette version bêta en cherchant sur Internet. SWAT 3 Close Quarters Battle aurait dû permettre de sauver des otages et d'appréhender des suspects sur sa Dreamcast. Graphiquement, il aurait sûrement été plus joli que Rainbow Six Rogue Spear, ce qui n'aurait pas été un exploit. Mais le jeu n'est en fin de compte sorti que sur PC. Encore un jeu de chez Sierra qui échappe à la Dreamcast. Electronic Arts ont toujours boudé la Dreamcast, il n'est donc pas étonnant que ce Black and White ait été annulé sur celle-ci. Et c'est bien triste, car le genre du God Game est peu représenté sur console. Malheureusement, Black and White demeurera une exclusivité PC. Même si ce trailer était censé faire la promotion de la version Dreamcast, rien ne nous garantit que ces images ne sont pas celles de la version PC. Il n'y aurait sans doute pas eu un gros fossé entre les deux. Un titre prometteur, sans doute trop pour la pauvre Dreamcast. Et encore un jeu PC qui aurait dû sortir sur Dreamcast. System Shock 2 est un FPS futuriste dans lequel on incarne un personnage amnésique victime d'une expérience militaire. Apparemment, le développement de la version Dreamcast était encore peu avancé. Les petits malins qui se sont débrouillés pour tester une première ébauche du jeu sur la console de Sega se sont retrouvés coincés à l'intérieur d'un wagon sans possibilité d'interagir avec quoi que ce soit. Dans le jeu, hein, pas dans la vraie vie. Ces images sont certainement issues de la version PC. Je terminerai avec quelques extraits du jeu Agartha qui était en développement chez No Cliché, ceux qui ont fait Toy Commander. Je n'ai pas tant d'infos sur ce jeu, si ce n'est qu'il était attendu par certains avec enthousiasme et qu'il a été annulé suite à l'annonce de l'arrêt de production de la Dreamcast. Ce jeu aurait sans doute bien pu être LE survival horror de la 128 bits de Sega. Il paraît que le joueur aurait pu choisir d'être du côté du bien ou du côté du mal. C'est vraiment triste que le projet ait été tout bonnement abandonné. Un gros travail avait déjà été réalisé,
et de nombreux environnements modélisés sont visibles dans ces extraits vidéo. On peut également y voir quelques protagonistes dont la modélisation pourrait paraître grossière avec notre œil d'aujourd'hui, de même que leurs animations pourraient manquer de naturel, mais tout cela était fort joli pour l'époque. Le métier de développeur doit être vraiment déprimant quand on voit son travail partir aux oubliettes. Bon, je vais me taire afin que vous puissiez profiter un peu de l'ambiance qui se dégage de ces vestiges vidéoludiques laissés à l'abandon. Cette vidéo de nostalgie triste touche à sa fin. Ce n'était qu'un petit échantillon de ces jeux Dreamcast qui n'ont jamais vu le jour. Je me suis dit que ce serait sûrement utile de faire une vidéo de ce genre pour la nouvelle génération de joueurs qui n'ont pas connu la Dreamcast ou pour ceux qui ont oublié de s'y intéresser à l'époque. Tout ça pour bien montrer que la Dreamcast n'est pas une console dont on se souvient uniquement par rapport à tout ce qu'elle a pu nous offrir. C'est aussi une console dont on se souvient par rapport à tout ce qu'elle aurait encore pu nous offrir. Effectivement, c'est frustrant. Des fois, je me dis que le meilleur restait à venir. Allez les Dreamers, faites de beaux rêves, et à la prochaine !